J'ai l'impression qu'elle a une sorte de force. Elle est un petit peu entre mortelle et spirituelle. Je me suis vraiment arrêtée sur cette œuvre parmi toutes les autres, parce qu'elle m'a fait une impression de familiarité. Déjà, dans ma tête, c'est une femme, alors que c'est pas vraiment explicite, en fait, on n'est pas sûr. C'est une représentation d'un visage, et finalement, on n'a ni la bouche, ni les yeux. Ça la fait pas non plus tomber dans l'anonymat, mais ça lui donne, je trouve, un caractère universel, en fait, et spirituel. Je l'ai beaucoup regardée, et j'ai eu comme un sentiment un petit peu de plénitude. C'est-à-dire qu'à force de la regarder, il y avait quelque chose qui me nourrissait. Elle m'apportait quelque chose, une sorte de joie en fait. C'est peut-être parce que je la trouve jolie. C'est la sensation de la regarder, mais qu'elle me regarde aussi, comme une harmonie qui se crée. Je pense que c'est un petit peu ça, le sentiment de beauté quand on est confronté à quelque chose qu'on trouve beau.